moun nan pandan sekirite ap taye banda nan peyi d'Ayiti, eh bien la justis vye nan peyi d'Ayiti frape yon lot fwa ankor. Men ki sa pase, eh bien yer ki te merkredi a, yo libere narkotrafikan machan drog ke tout moun konnen sou nan Eddie One. OK, quelqu'un bio avec un pile gros âme drogue et qui a arrêté Diwan depuis mois d'octobre. Et jeudi mercredi à sur ordonnance magistrat instructeur Légoise Avril. N'abdou bien sur ordonnance magistrat instructeur Légoise Avril, et bien yo la gué et bien machin drogue bandi et Diwan. Toutefois, il y a deux policiers qui ont été embêtés avec monsieur. Je crois que c'était Alex, mon premier, Yva Dieudonne. Il était arrêté au même moment. Et bien, qu'est-ce que soit, deux policiers, ça, dans le moment où on a parlé, ils ont même beaucoup de paris, ils ont toujours des barreaux, ils ont toujours non prison. Il faut rien comme. Si on va gagner assez comme pour payer, c'est normal pour être dans la prison. OK. Donc, yo te kembe et Diwan par de Jean Eliobert te gen en possession meilleure substance assimilable à marijuana. Te gen deux gros armes de grand calibre en main. Mais Jean situation en yé. Ou ka comprendre ça veut dire peut-être pour d'autres monde qui bataille contre sécurité, ça veut dire tout pour policiers qui arrêter bandi. Ça veut dire pour les douaniers qui font travail peut-être dans bloquer quelques cargaisons. Par exemple, toujours hier, et je crois que c'était dans Saint-Marc, yo et en fait douaniers, ils ont joué une cartouche avec un pile d'armes loup dans la douane Saint-Marc. Et agent douanier qui joue une machine. Agent yo saisi munition sa yo et quatre identification de yon dame yo te également saisi yo nan cadre opération sa et donc yon policier sur place pour récupérer des douanement véhicule sa à l'intérieur qui en fait yon policier sur place pour récupérer des douanement véhicule sa qui rejoint tout pile et en fait nous avons gardé des dans là ça qui sous bord ça qui sous bord ici là c'est ça rejoint pour bon c'est machin 10 oui rejoint là bon qui rejoint et ça c'est des policiers ça yo qui ont rejoint avec Diwan gros âme dans main yo bon bon policier ça dans prison. Donc ça nous les qui parle nous les là c'est que nous vraiment prendre un handicap majeur. OK. C'est que au nom pays côté que tout côté viré au point. Ou arrêter bandi. Bandi en prison, bandi vend l'argent de payer bandi la gue. Donc, nan ka ça, ou ap mande et qui sait pour relé. Ou ap mande tout. Qui protection et même policier qui la gue. Non. Arrêtez bandit. Qui protection? Parce que c'est inacceptable. Si tout le monde voulait faire pays, ce genre de situation, c'est inacceptable. Mais nous rappelons que Jovenel a dit que il était forcé de voter 50 juges corrompus. Mais bagarre que la communauté nationale a découvert d'elle, je dis yo, c'est inacceptable. Quel est de bagarre? Quel que soit Jean ou Bali, il n'est pas qu'à politiser. Li pa ka politiser, pa ka mettre des juges sous base que li allié avec tel groupe politique parce que tel sénateur, c'est inacceptable ce genre de situation. OK. So, l'entend des nouvelles ça, yo vraiment venu yo exaspéré quelque part. Yo exaspéré. Et wap mando ki sécurité possible wap gagner. Nous t'es capable de tout, il y a un bagage qui soulevait colère en pile monde, c'est ça qui s'est passé dans semaine.
Lorsque embagé tout le monde net, nous constatons que bandits avec armes sous protection de la police, justement, a manifesté et qui s'est demandé, il a demandé à bas kidnapping. Il a demandé à bas kidnapping, même bien avec nous. Entre-temps, tout va bien. Entre-temps, quitter le pays marché. Entre-temps, élection a fait. Et s'il vous plaît, nous faisons comprendre là que l'ONU est décidé pour te soutenir les prochaines élections haïtiennes. Maintenant, moi ça me pense. Moi, c'est que l'ONU t'a supposé dire qu'il y a un cahier pour nous faire un pays. Vous comprenez bien? Qu'il y a un cahier. Moi, je pense que si vous voulez aider nous tout bon vrai, dans un moment là, si on les font bagaille, c'est parce que comment c'est pas ça plus urgent. C'est-à-dire, bon, est-ce que des moyens pour nous travailler la police, là, hélicoptère, bah ou des moyens pour gagner, pour faire pays à fonctionner. Parce que pays a pas fonctionné dans un moment là. Vous comprenez? Son pays qui en catastrophe, en cachouboulou, personne ne va gagner contrôle. Ou pas qu'il y a un projet de société dans un pareil situation. En tout cas, aucun comprend les parler de accord ONU, c'est quoi qu'a brassé? Parce qu'on a parlé de 20 millions de dollars. OK? 20 millions de dollars. Le premier ministre, ministre planification, coopération externe. OK? Qui permettent l'Organisation des Nations Unies à travers bureau Nations Unies d'appui au projet, fournir appui technique. Bon, on comprend comme ça les audio bio à tout bien entendu. Là, dit l'ONU, bah appui à l'élection. Faut nous comprendre ce qui a passé là. Ok? So, c'est par l'intermédiaire INOP pour bah appui. C'est comme qui va le passer par des agences de côté que même eux même là, comme qui va le passer par eux même côté que dit on va bah appui technique au conseil électoral. Ok? So, c'est ça pour nous comprendre là, là on parle de signature à quoi ça. Ok? Il y a un brassage là-dedans et tout. Vous comprenez? So, c'est comme ça le dossier. Il y a un brassage. Tout le monde a besoin. So, voilà, guys. Jean, je pense que c'est important pour nous réagir sous drame ça. Parce que y a un bandit très connu, Eddie Hon. Tout le monde a parlé de lui, un marchand de drogue avec Sam. Et puis, tout bonnement, un magistrat par paix prononcé libération de ces situations ça que l'on vit dans le pays d'Haïti. Et en ce sens, pour comprendre que. Et nous vraiment dans une situation déplorable dans le moment que nous avons parlé. Donc voilà, guys, nous devons partager ça avec vous. Pas oublier nous-mêmes toutes les dernières informations qui sont passées dans le pays d'Haïti et pas aux États-Unis. Nous toujours partager avec vous. C'était un plaisir. Bye bye tout le monde.